parlait de cette philosophie, il convient que nous posions, que nous jetions les bases de ce dont nous allons discuter, parce que un des problèmes fondamentaux auxquels nous sommes souvent confrontés, c'est que souvent nous pouvons parler de la même chose, mais en utilisant des termes différents. Et du coup, on n'arrive pas à se comprendre, alors que de fait, ce dont nous parlons, c'est de la même chose, sauf que nous abordons chacun la chose avec un vocable différent. Raison pour laquelle il faut déjà que nous nous mettions d'accord sur ce que nous allons aborder avant de parler de la philosophie de cela. Alors le terme Maqasid, je vous ai dit, c'est le pluriel de Maqsid. Et Maqsid en arabe, on appelle ça Masdarmini, c'est-à-dire un nom qui sert à exprimer, pour caricaturer, l'endroit dans lequel se fait l'action, parfois la manière dont l'action se fait. Donc vous avez Qasada en arabe, comme vous avez Sajada, l'endroit dans lequel se fait la prosternation, on l'appelle Masjid. Bien, l'endroit dans lequel également se réalise la finalité s'appelle Maqsid. Et par ricochet, on a appelé la finalité Maqsid, alors que par définition, c'est l'endroit dans lequel se fait, se réalise la finalité ou l'objectif. Une fois que nous avons situé ou balisé ce terrain sur le plan littéral et linguistique, très rapidement se pose la question de savoir, mais pourquoi parler de cela dans l'islam ? Eh bien, pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer, au nombre de 8, très rapidement. Une de ces raisons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que ma khalaqta hadha batila. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il nous apprend que ceux à qui il a donné l'intelligence, quand ils réfléchissent à la fois sur sa création, mais également sur l'ensemble des codes qu'il nous a envoyés, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas le fruit du hasard et que cela n'a pas été fait gratuitement. Et il nous dit « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wal nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. » Donc il s'aperçoit, en regardant la façon dont nous avons été créés nous-mêmes, on s'aperçoit que ce n'est pas gratuitement que cela a été fait. Et à partir de là, comme le dit l'imam al-Shatibi dans ses Muwafaqat, dans le volume 2, si ma kavosh est fraîche, eh bien, en fait, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de preuve, si je puis dire, unitaire, sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, ah ben là, Dieu nous a dit, voilà, je vous ai parlé des objectifs. Mais quand tu regardes la globalité, pas comme il le dit, c'est-à-dire une vision, comment dire, partielle, mais tu regardes avec une vision plutôt globale, tu t'aperçois qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le monde au hasard, mais au contraire, il a créé ce monde dans un but. Et il le dit dans le Coran, « Afahasibtum, pensez-vous, anna khalaqnakum abatha, que nous vous avons créé, anna khalaqnakum abatha, qu'on vous a créé comme ça ?» La réponse est bien entendu, on appelle ça une question istifham ikal en arabe, une question oratoire. La réponse est suggérée par la question. La réponse est, et si nous avons été créés pour devoir, pour un certain nombre de choses, donc pour un objectif final, précis. Dans un autre verset, il nous dit, « وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, même si Abdullah ibn Abbas nous dit que pour qu'ils me connaissent. Mais nous avons en arabe ce qu'on appelle la mukayy ou la muta'lili, la notion de illa dont on va parler. C'est-à-dire quoi ? C'est l'équivalent d'un complément circonstanciel de but. J'ai créé les hommes et les djinns dans un but précis qui est celui de m'adorer. Donc, on s'aperçoit que, comme le dit l'imam al-Shatibi, on n'a pas été créé comme ça, mais plutôt
plutôt, avec un but précis ou des buts multiples qui riment tous ou qui se dirigent tous vers un point de convergence commun qui est bien entendu l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers. Et c'est le deuxième point, ce que lui-même, il nous apprend à travers l'ensemble des textes du texte coranique, à travers même, au-delà du texte coranique, l'ensemble des messages qui nous ont été envoyés ainsi que les messagers, et il nous apprend justement que cette religion depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été envoyée que pour notre intérêt. C'est pour cette raison qu'Imam Ibn Qayyim va nous dire un chapitre dans son livre Ya'lan al-Muqa'in al-Rabbil Alami, il va l'appeler chapitre الشريعه la sharia لمصالح العباد في المعاش والمعاد. C'est pour l'intérêt des serviteurs de Dieu aussi bien ici que là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il nous dit qu'il est as-samad. C'est-à-dire quoi? As-samad en arabe, on dit que هو الذي تفتقر اليه الاشياء ولا يفتقر اليها. Il est celui dont tout le monde a besoin mais lui n'a besoin de personne. À partir de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas prescrit un ensemble de choses où il ne nous a pas créés pour nous punir, mais plutôt pour notre intérêt. Raison pour laquelle il nous dit dans le Coran Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Al-Firouz Abadi nous dit dans son exégèse que ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa, ma anzalna alayka al-Qur'an litat'ab. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour te faire souffrir. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu vous veut la facilité et il ne vous veut point la difficulté. Donc tout cela pour que nous comprenions que, encore une fois, nous n'avons pas été envoyés ici pour souffrir. Mais il y a un point au-dessus de tout cela, c'est que quand on est croyant, on croit en Dieu comme étant quelqu'un de hakim. Et Hakim veut dire quoi? Hakim veut dire man yada al-shakhs al-munasib aw al-shay al-munasib fi al-makan al-munasib fi al-waqt al-munasib. Hakim, c'est celui qui donne la personne qu'il faut ou la chose qu'il faut à l'endroit qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Donc si on dit de Dieu qu'il est Hakim, il est impensable et inconcevable que nous pensions de lui en même temps comme étant quelqu'un qui nous a créés sans donner à l'homme ce dont celui-ci a besoin pour pouvoir par la suite l'adorer. Donc ce premier point-là nous permet ensuite de faire découler l'ensemble des maqas qui restent. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre foi, il nous est demandé de croire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il nous veut le bien mieux que nous-mêmes. Il est beaucoup plus doux et beaucoup plus conciliant et beaucoup plus délicat avec ses créatures que celles-ci ne le sont avec elles-mêmes. Partant de là, on ne peut aucunement penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a voulu nous punir. يريد الله أن يخفف عنكم. Dieu veut vous faciliter la vie. وخلق الإنسان ضعيفا. Et l'homme a été créé faible. Il nous dit à plus d'une reprise qu'il n'a mis aucune difficulté dans cette religion. Tant et si bien que, on l'abordera sans doute la prochaine fois, à chaque fois qu'il y a une norme divine, ce qu'on appelle حق الله, qui s'oppose à ce qu'on appelle حق العباد, c'est-à-dire la norme humaine, par exemple quoi? Le fait de vivre. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une opposition entre les deux, eh bien, يُسْقَطُ حَقُّ اللَّهِ وَيُفَعُ حَقُّ الْعِبَادِ. Ce qui est relève, par exemple, Dieu nous a interdit de manger du porc. حَرَام. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Telles sont les limites de Dieu, ne vous en approchez pas. Mais, si je suis dans l'obligation de manger du porc sous peine de mourir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hop, on fait chuter l'interdiction de manger le porc pour sauver ma peau. Je n'ai pas le choix que de boire de l'alcool parce que je suis coincé, il n'y a que ça. C'est haram. Mais quand je me trouve dans une
l'action. Et qu'est-ce qui se passe? La vie, et c'est de là qu'on vient à la fameuse règle, c'est que les interdits deviennent légaux par la force de la situation des choses. Et il y a des gens qui pensent que non, je dois être, c'est être croyant que de dire, ah ben, je me laisse mourir. Non, c'est pas être croyant. Te laisser mourir, cela veut dire être imbécile. Je répète, te laisser mourir quand tu es dans une situation pareille veut dire être imbécile. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe de compagnons qui étaient partis dans une expédition, dans un voyage, et il s'est trouvé qu'un d'eux était blessé. Et il est parti le matin, avant la prière de soupe, alors qu'il faisait un froid de canard, demander à ses frères compagnons ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils se lavent parce qu'ils devaient prendre une grande douche, ou plutôt faire les ablutions sèches et faire la prière par la suite? Et si c'était nous, on aurait dit non, il faut qu'il se lave. Et en effet, c'est la vie que les compagnons lui ont donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est lavé et il est mort sur le champ. Quelle a été la réponse du prophète quand on lui a présenté la chose? Il a dit, qatalouhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, que Dieu leur fasse la guerre. Halla sa'alou. Et s'ils avaient demandé? Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que, à chaque fois que nous nous trouvons dans une situation pareille, eh bien, hop, l'interdit se lève. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas été chargés d'une chose dont Dieu est ignorant. Il est celui qui nous a donné les moyens de faire telle chose, comme il nous a donné les moyens de supporter telle autre chose. Et c'est pour cette raison que dans les versets que je vous ai cités, il y en a un en particulier où Dieu dit, « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. » Dieu n'attend pas de l'homme quelque chose qu'il n'est pas en mesure de réaliser. Al-Imam al-Ghazali nous dit que la cause de la révélation de la fin de sourate al-Baqarah, telle que je vous l'ai lue, jusqu'à la fin, il nous dit qu'il y a un verset dans le Coran dans lequel Dieu dit « Que vous cachiez ce que vous avez au fond de vous, que vous le fassiez apparaître ou vous le cachiez, Dieu vous en demandera des comptes. » Les compagnons ont dit « Ya Rasulallah, si nous sommes ainsi jugés, nous finirons tous à l'enfer, on est fichus. » Parce que l'homme, par définition, est quelqu'un qui est... Il y a ce qu'on appelle khawat. Il y a des idées qui nous traversent comme ça, qu'on n'a pas été cherché, qu'on n'a pas planifié. Je peux avoir une mauvaise intention à l'endroit d'une personne parce que je l'ai vue comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'y crois. Il peut m'arriver d'avoir une mauvaise intention même à l'endroit de Dieu. Quand, par exemple, on a un malheur qui nous arrive, un deuxième qui nous arrive, on a tendance à dire, mais pourquoi moi? Alors que ce qu'on n'a pas le droit de dire ça. On arrive même d'y penser. Regardons Maryam, la mère de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Alors qu'on n'a pas le droit de choisir la mort. Mais les faits font que... Alors ils ont dit, là on est cuit. Et Allah a révélé la fin de sourate al-Baqarah. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, ben en fait, voilà ce que vous devez dire. Dieu leur dit, là, il faut que Allah vous nafsan illa wus'aha. Mais avant, Dieu leur a dit de dire quoi? Il leur a dit de ne pas faire comme les autres qui ont dit, Sami'ana wa asayna, nous avons entendu, puis désobéi. Mais nous disons quoi? Sami'ana wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et là aussitôt Dieu dit, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. C'est une règle fondamentale. Et vous avez vu le jeûne, c'est un pilier, mais on te dit que ceux qui peuvent, l'imam Suyuti, Jalal Suyuti et son professeur El Mahalli dans Tafsir El Jalali disent que taqa al-istita'a ma'a al-mashaqqa, la possibilité mais avec difficulté. Donc ils te disent que celui qui est en mesure de jeûner mais qui s'expose, il y a beaucoup de gens, on va rentrer dans le Ramadan, il y a des gens qui pensent que quand ils sont dit
diabétique en jeûnant, c'est un acte de piété. Non. C'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Les médecins te disent que si tu jeûnes, tu t'exposes à un danger, mais tu ne fais pas. Et Allah, il connaît mieux ta situation que toi-même. Donc il ne faut pas croire qu'en jeûnant et en t'exposant à un danger, tu fais un acte de piété. Non, tu fais un acte qui n'est pas de piété.